Cette épreuve qui attend l'UEE se passe à Levski. Seulement ponctuelle jusqu'à maintenant, la grève de la maintenance de la station s'intensifie. Cela fait plusieurs mois que Levski est paralysé. Hangars à vaisseaux et ascenseurs ne fonctionnent pas, ralentissant fortement l'exploitation minière. Impossible de se poser ou de simplement récupérer son véhicule, transformant ainsi la station en salle d'attente géante. Nous avons essayé de nous renseigner, mais parmi le personnel de la station, c'est l'Omerta. Les réponses sont les mêmes, la loi du silence règne. Oula, oula, écoutez, bon, moi je vois pas de problème. Renseignez-vous plutôt auprès du personnel de maintenance, ce sont les premiers concernés. Sans surprise, les bureaux sont vides et personne n'est là pour répondre à nos questions. Autant dans les postes clés de la station que dans les bureaux de la tour de contrôle, donnant des airs de station fantôme à l'exploitation. Sabotage ou prise d'otage, la grève oblige les usagers à prendre leur mal en patience. Certains passent du temps au bar, alors que d'autres profitent des nombreuses boutiques toujours ouvertes. Cependant, afin de secourir les naufragés, un service de navette payante, plutôt onéreux, a été mis en place par de nombreux pilotes privés, pour faire des allers-retours jusqu'à Port Olisar. Absolument, Daisy. Mais pour les plus malins d'entre vous, rapprochez-vous de Blackwater's Airlines, qui se fera un grand plaisir de vous dépanner à moindre coût. Renseignez-vous auprès de ces écrans de contrôle pour connaître tous les départs et tous les tarifs et voyager en toute sécurité avec une équipe de pilotes professionnels. C'était Jeanne et Daisy en direct de Levski, où la grève n'est pas prête de s'arrêter. À vous les studios.